Hello and welcome to The Watches TV. Today we focus on the production of dials made out of enamel, and that's why we are here at Dons et Cadrans to speak with Mr. Claude-Éric Jean, manager of the company, about the process of production. Alors, l'apparition des cadrans émail, c'est à partir du 17e siècle. On a introduit les cadrans en émo, on les trouve dans les pièces anciennes qu'on trouve dans les musées. Cette technique a été utilisée jusqu'au début du 20e siècle. Est apparu les cadrans métalliques, remplacés par soit par l'argentage, soit par les différents décors qu'on a portés dessus pour apporter des couleurs aux montres. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu plutôt des pièces exclusives. L'émail, c'est de la poudre de verre à base de silice. Nous ne sommes pas fabricants de poudre d'émail. On achète des poudres d'émail chez les différents fabricants, généralement en France, on en trouve en Angleterre, on peut en trouver aux États-Unis, avec des composés d'oxyde métallique qui vont nous donner les différentes couleurs si on parle d'émo translucide, par exemple. La blancheur, l'opacité du cadran émail blanc vient d'une destruction d'arsenic. Mais aujourd'hui, on n'a pas de substitut pour obtenir la blancheur qu'on obtient sur les cadrans qu'on a, par exemple, fabriqués chez nous. Nous, on part sur une base de cuivre, qui en fait, c'est la même méthode utilisée sur les cadrans anciens. On n'a pas du tout changé la méthode. Le cuivre est utilisé parce qu'il a une ductilité. Ça veut dire qu'on peut le travailler, on peut travailler des cadrans de forme, on peut travailler des cadrans bombés, on peut travailler des cadrans plats. On va venir river les pieds, les souder par brasage, donc faire un passage au four pour faire la brasure. On a une température d'environ 950 degrés. Et après ça, on va devoir décaper le cuivre. On va venir frotter la pièce, lui donner un petit peu de nerf pour qu'elle ait de la tenue durant les passages au four. Et on va commencer par un premier saupoudrage d'émail à l'arrière du cadran et sur la surface pour faire une première cuisson au four. Plus il y a d'émail, plus il y a de tension. C'est-à-dire que si on élimine l'émail de dessous, le cadran va venir se plier. Voilà, est cassé. Donc on a besoin de contre-émail pour équilibrer les tensions tout au long des opérations, tout au long de la vie du cadran. On va saupoudrer 4, 5, 6 fois, dépendant de l'épaisseur du cadran qu'on veut à la finalité, l'épaisseur finale du cadran, pour obtenir en fait après un blanc le plus maculé possible. Là, on va venir gratter la surface, enlever les occlusions avec un outil métallique, et puis réparer, déposer de l'émail, repasser au four, pour retendre la surface. L'opération suivante est l'opération de décalque, donc c'est le transfert des inscriptions que le client demande. Donc on va transférer la poudre d'émail, ça peut être de l'émail noir, ça peut être de l'émail rouge, de l'émail bleu, dépendant de ce que le client veut. Et nous, on va venir déposer par transfert d'une plaque à décalque de type standard, par topographie, on va venir déposer une poudre d'émail sur la surface du cadran qui est donc toujours bombée. Une fois qu'on a fait cette opération, on va aller faire un passage au four, qui est en fait l'ultime passage au four, qui est en fait la remise en fusion de l'ensemble du cadran. Et on va venir avec un charbon appuyer sur la surface du cadran pour venir lui donner la planéité. Si on a à ce moment-là une occlusion qui vient se déposer sur la surface du cadran et que cette occlusion n'est pas enlevable, eh bien, ça sera un cadran qui sera aussi défectueux. Cette opération nous prend environ 40% de déchets. Sur la partie extérieure du cadran, l'émail n'est pas plat, mais va venir justement faire un rayon. Ce qu'on ne veut pas, vu qu'on veut, dans un cas de cadran plat, comme le cas du cadran Hermès par exemple, on veut un cadran qui soit plat. Donc on va devoir venir éliminer environ 1 cm. Dans le cadre du cadran Hermès, on a trois parties. Ça veut dire qu'on a une partie centrale qui est rapportée, puis un compteur qui est rapporté. Donc on va fabriquer trois cadrans, donc trois éléments qui vont être meulés, qui vont être usinés afin de pouvoir les assembler ensemble. On va créer en fait un kit. On a 80% d'opérations manuelles qui sont de créer les angles qu'il nous faut pour qu'on puisse assembler les pièces ensemble. On va venir souder à l'étain. Ça veut dire qu'on va venir souder le cuivre contre le cuivre. C'est pour ça que notre émailleur va devoir faire des angles positifs et négatifs pour que les pièces s'encastrent les unes contre les autres. C'est un cadran qui est fragile. C'est un cadran qui, quand il est emboîté, c'est pour la vie. C'est une montre qui va pas souffrir du temps, des différentes choses liées au temps. Le blanc va rester blanc.
Si on prend un cadran laqué, une laque acrylique ou même ou époxy, la couleur va changer. Vous portez votre montre, vous ne vous rendez pas compte que votre cadran change de couleur, et puis petit à petit, il va venir un petit peu brunâtre. Là, sur un cadran émail, et ben c'est comme l'or. Voilà. L'or, il est intemporel, mais le cadran émail, il est la même chose.